Bonjour à toutes et à tous, ici c'est Rekai et on se retrouve sur Evoland 2 pour la suite du Let's Play. Donc j'ai fait une pause depuis hier parce que vous imaginez bien que dans l'état où je me trouvais, j'étais pas en mesure de continuer, hein, j'avais plein le cul. Et donc je reprends cette grotte de merde en espérant qu'il n'y aura pas d'autres saloperies de genre. Parce que là honnêtement ça m'a gavé. Hein. Je m'en fous de ce qu'il y a en bas. Putain, encore le retour champignon. Oh non, mais encore d'autres, ils ont leur foutu. Dis-moi que c'est juste pour le. Dis-moi que c'est juste autre chose qui a rien à faire. Meurs. Oh non. Oh non, ils ont leur foutu encore, c'est ça le prix. À droite, je sais pas ce qu'il y avait. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose à droite, mais bon, je m'en fous, je vais pas y aller. Alors, en effet, à droite, c'est justement pour obtenir ce coffre-là. Coffre où je vais finalement ne pas y aller, vous allez voir, parce que, vraiment... Non, mais le coffre, je m'en fous, vraiment, je vais pas. Hein. Je me retape pas ces trucs-là. Ça peut être je sais pas quoi, ça peut être je sais pas quel objet rare ou mais. Ça peut être un minerai d'Orico, je m'en bats les couilles là, honnêtement. Mais il y a des petits cris dans les coins là. Oh, qui êtes-vous? Clara Loft, vous êtes un archéologue vous aussi? Oh mon dieu. Depuis une petite, je rêve de découvrir un des grands secrets des magies. C'est un truc bizarre qui s'appelle l'anomalie. Si un jour je trouve l'emplacement de cette anomalie, je deviendrai mondialement célèbre. Mais comme je sais même pas à quoi ça ressemble, pour l'instant je cherche. D'accord. Mais un T-Rex en dessous, si tu veux, ça intéressera peut-être un musée. Ok. Oh putain, je vois le compris. Oh, j'ai pas aimé ça non plus. Oh, c'est un petit qui est comme ça qui apparaît, d'accord. C'est le petit réflexe de merde qu'on a dans la vie des fois. Oh, qu'il faut remonter encore plus haut. Ça me gonfle. Ça, c'est à me gonfler, ça. Putain, le jeu qui me trahit en plus, hein. C'est pas notre chemin, à la limite avec des champignons et des plateformes à la con. Je trouve ça un ras-le-bol. Va te faire foutre le jeu! Je vais criser aussi là-dessus, vous allez voir. Je vous analyse bien là.
Il n'y a pas moyen de figer toutes ces plateformes là dans le temps. Mais putain, mais je vais faire foutre le jeu là, la petite box qui est buggée là. Piège, j'ai vu ça. Putain, c'est horrible. Je sais pas qui est le du connard qui a inventé ça, mais franchement. Mais des timings encore plus courts, les gars, pour que ce soit encore plus injouable et chiant. Putain, j'ai marre, j'ai de l'hésitation trop là. Craquer nerveusement et je suis retombé. Mon instabilité mentale du dernier épisode ne s'est pas encore dissipée. Hein. J'ai l'impression que ce niveau me laisse des traumatismes. Il va falloir une thérapie, je pense, après ce truc-là. Sans câble, c'est récaille. Mais putain, mais le... Oh, la hitbox buggée. Putain, mais j'étais dessus. Ça, c'est vraiment un truc de salopard. Nous. Non! Oh putain! Y'aura un match de foot, personne ne se plaindrait que je gueule, quand même plus toi. Y'a pas de match de foot aujourd'hui. Salaud là. Ça va être super rapide, soit faut y aller vraiment lentement au pif. Au timing près, hein. C'est vraiment la seconde près. Hein. Il va prendre de risque là. Putain, mais j'ai hésité, je voulais sauter sur la deuxième plateforme, mais j'ai foiré mon coup. Pourquoi j'ai attendu trop longtemps? Je suis con, moi. C'est avec un roi des cons.
Alléluia. D'accord. Ok, mais brain des trucs là. Minerai d'Oricon, bon. Ah, ça, je sentais vraiment pas du tout le coup du gros bloc là-haut. Hein. C'est mon suicide. Je crois que j'ai trouvé une méthode plus simple, vous allez voir, plus rapide. Parce que là, c'est bon, c'est juste chiant là. Voilà, c'est bon, j'ai perdu un peu de vie, mais bon, je m'en fous, cette merde est passée. Voilà, je ne peux pas traverser. Sous de l'ange. À l'aveugle, d'accord. C'est passé. Un, deux, trois. Non ! Si on a débarrassé ces bestioles-là. Je sais trop si c'est le prix. Non. Non, mais on peut pas avoir les blocs avec Fina à cette distance. Bon. Ah, oh, alléluia. On a quitté cette grotte de merde. Et je prends le point sauvegarde. Ah, oh, alléluia. Bon, ben, apparemment, on pourra pas prendre ce coffre-là non plus. Et là, il y a quoi? Oh! C'est quoi ce truc? Cours, il me dit pas que...
Je pense pas que ce soit une bonne idée. Pour cette fois, je suis d'accord avec mon Zelfina. Cet appareil m'a l'air dangereux. Il doit bien y avoir un moyen d'accéder à la pyramide, non? Bah non, il y en a un des sbires a dit que le seul moyen c'est de monter c'est de par les airs. C'est trop glissant. Ou il y a autre moyen. C'est l'évidence même. Voilà ce qu'il nous faut. Mais il n'y a pas autre moyen. Je dois avouer, je connais pas autre moyen. Oh non, mes noces! Aide-moi! J'ai vraiment pas envie de voler! Enfin, pas dans cette machine en tout cas. Je vais peut-être faire un effort. Mais c'est vraiment pour faire plaisir, Kuro. Bon, testons ce truc alors. Voilà à quoi servent les aides de Kuro finalement. À utiliser machine volante. Moi je suis meubles. Oh non! Je crois avoir fini là! Ok. Pour ceux qui l'ignorent, je suis fan des jeux de la série True Project. T'as ma cousine me connaît. Ok, c'est parfait. Hein, je vais de la vie, bêtement à cause de toi, Fina, merci. Non, mais c'est pas à cause de Fina d'ailleurs, c'est juste parce que j'ai lâché le bouton. Par contre, les décors sont classe, faut les mettre. On lève quand le boss? Sympa comme mode, hein. Honnêtement, je veux dire, c'est hyper sympa d'avoir trouvé d'avoir fait des gameplays hyper variés, c'est vraiment génial. Ce qui prouve que Volante, même s'il y a des passages chiants, c'est quand même un bon jeu. Même si j'ai pu gueuler comme un putois et rager tout à l'heure, là. Voilà, arrive quand le boss là. Ouais, saloperie. Toujours un boss qui apparaît en général. Ah, Bilbus, ou un truc comme ça là. Non, je suis mort.
Ok, je suis la merde. Alors pour vous dire que je suis balèze à tout, c'est parce qu'il y a un mode focus également qui me permet de ralentir et qui me permet également de voir la hitbox précise. Putain, il y avait la vie, j'aurais pu la prendre. Bon, faut que je sois fini au maximum. C'est une bombe de merde à vous faire chier. Tiens, mais j'arrive pas à voir ma hitbox. Je vais avoir mal aux yeux là, ça commence à me défoncer la rétine ce truc là. Bon, je sais une dernière fois et après j'arrête honnêtement. Je vais dire ça et puis je vais m'acharner parce que j'y arrive à le crever ce machin. Et putain, je l'ai raté, mais c'est mort. Putain, mais ça me gonfle ce truc.